Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo puisque j'étais un peu occupé avec les vacances, la famille, etc. Mais ça n'empêche pas de gagner des revenus grâce au robot puisque son but c'est de vous faire gagner des revenus de manière 100% automatique. J'ai également apporté des petites améliorations sur le robot, donc si vous êtes déjà client du bot, ben vous pouvez me contacter pour avoir accès à ces mises à jour. Autrement, ben si vous faites l'acquisition du bot maintenant, vous aurez tout de suite accès à la dernière version. Cette dernière version va vous donner la possibilité donc déjà de choisir vos horaires, comme vous voyez ici, donc 9h45 à 16h15, ce sont les horaires par défaut qui correspondent à la session de Londres. Si vous tradez des paires de Forex ou des indices comme le Dow Jones ou le DAX, je vous conseille vivement de ne pas toucher à ces paramètres. Vous aurez également ici le trade size. Donc ça vous permet de choisir les lots que vous allez utiliser pour trader. Donc par défaut, ça sera 0,10 lots. Mais en fonction de votre capital, vous allez pouvoir augmenter vos lots. Passer par exemple ici, j'ai mis un lot par trade. OK? Si vous voulez trader avec moins, vous tradez avec moins. Si vous voulez trader avec plus, vous rajoutez tout simplement, vous modifiez juste ici. Ici, vous avez le slippage maximum autorisé par le bot, donc par défaut c'est 3. Donc je vous conseille encore une fois de ne pas toucher à ce slippage puisque quand il y a par exemple des nouvelles économiques qui font des gros booms sur les graphiques, ça peut être fatal si ça va pas dans le bon sens. Donc pour éviter ça, on va mettre un slippage maximum de 3 et ainsi on évite tous les problèmes qui sont liés aux nouvelles économiques. Évidemment, vous avez les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, donc ça, vous n'y touchez pas non plus. Ici, vous avez le push notification, ça signifie que vous aurez des alertes sur votre téléphone portable si vous avez l'application MetaTrader 4 ou 5 sur votre téléphone portable. Voilà. Et enfin, ici, ça sera le plus important, le stop suiveur. Donc, vous avez le stop suiveur long pour donc quand vous êtes en position haussière et le stop suiveur short quand vous êtes en position baissière. Alors vous voyez marqué ici 25, donc ce sont des pips. Il faut savoir que le bot va en premier lieu calculer le stop suiveur en fonction des zones de support et résistance stratégique. Donc je vais démarrer le bot ici, vous verrez par vous-même, vous verrez des petites barres bleues qui correspondent en fait à ces zones de support et résistance. Et ensuite, il va rajouter une marge de sécurité. Par défaut, elle est de 25 pips. Si vous tradez l'euro USD, je vous conseille d'ailleurs vivement de mettre ce bot sur la paire euro USD. C'est sous cette paire que le bot va fonctionner le mieux avec ses paramètres par défaut. Si vous tradez l'euro USD, ne touchez à aucun paramètre si ce n'est le trade size. Donc vous mettez la somme que vous voulez pour vos trades. D'accord? Mais surtout, je vous déconseille de toucher à ces paramètres. On va voir ensemble ce que ça donne quand on utilise ces paramètres sur l'euro USD. Alors, maintenant qu'on a vu cela, on va voir en backtest, puisque moi j'aime bien vous montrer en live les derniers backtests pour vous montrer à quel point ce robot est efficace. Soit dit en passant, vous pouvez également rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage les résultats qu'apporte le bot, mais aussi les avis des clients qui utilisent ce bot. Donc quand ils sont contents, en général, ils m'envoient un petit message. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes déjà client, n'hésitez pas à partager vos retours. Ce serait bien pour faire avancer un peu la communauté. C'est d'ailleurs grâce à ce retour que de notre côté, on peut améliorer encore un petit peu plus le bot, puisque si vous êtes membre depuis un certain temps, vous avez vu que la première version, elle n'avait pas tous ces éléments, mais grâce à vos retours, maintenant, vous avez tous ces paramètres. Alors ici, j'ai mis comme backtest du 1er août au, on va mettre au 8 septembre, d'accord? Puisque je tourne cette vidéo le 8, on va mettre du coup du 1er août, donc du lundi 1er août au jeudi 8 septembre. Ok, on utilise la méthode chaque tick, c'est la méthode la plus fiable pour faire des backtests. Et on utilise la paire Euro-USD, très important en période 5 minutes. Alors là, je démarre le backtest, je change le modèle pour qu'on puisse mieux voir un petit peu comment ça se passe. Et là, j'active un petit peu. Donc là, on voit que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et je tiens à préciser que le bot il va tant que possible éviter les zones de range.
C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de ne pas trop toucher aux horaires, donc de 9h à 16h, puisque passé ces horaires, il y a beaucoup moins de volatilité et on rentre du coup plus rapidement dans des phases de range et vous augmentez du coup vos trades perdants. Donc là, on a un trade qui s'est activé et on voit que le stop suiveur, il suit tranquillement. D'accord? Donc là encore, l'autre avantage de ce bot, c'est que vous allez pouvoir surfer sur des grosses vagues. D'accord? Comme on voit ici, on a pris un premier. Le point d'entrée était par ici, le point de sortie par ici. Au niveau des résultats, ça nous fait déjà un gain de 371 dollars. J'ai mis un lot, d'accord? Rappelez-vous, les paramètres, c'était un lot. Donc avec un lot, nous aurions eu ici, du coup, 371 dollars de manière 100% automatique. Donc on continue un petit peu le trade. Et donc là, vous voyez que toute cette phase de range là, le bot va éviter tant que possible, d'accord? Là, on continue et il va attendre la prochaine opportunité quand il y aura une bonne volatilité et quand toutes les conditions seront réunies. Vous voyez que là, il a évité toute cette phase de range qui peut être fatale quand on est un trader débutant. Là, il a chopé. Alors, j'ai fait une petite pause. Hop, là, il a chopé une petite vague ici. Donc, le point d'entrée par ici et le point de sortie par ici. Et là, du coup, on arrive à un solde de 10 489 euros pour un capital de départ de 10 000 euros. D'accord? Tout cela en automatique. On continue. Alors là, il a ouvert un autre trade. Ce trade, il est perdant. Un nouveau trade là, c'est une belle vague. Hein. Donc là, on voit que ça poursuit, ça poursuit, ça poursuit. Tant qu'il y a de la musique, on danse. D'accord? Quand la musique s'arrête, on arrête de danser. Mais là, la musique continue. On voit une belle vague et boum, là, le trade s'est arrêté. Donc là, on a chopé une grosse vague juste ici. D'accord? Le 12 août à 9h40. Donc si vous aviez le bot à cette date-là, eh ben, le bot vous aurait fait générer un bon profit, puisque là on est passé maintenant à 11 509 euros pour un capital de départ de 10 000 euros. Ok, donc on va continuer. Donc là, on continue encore une fois la phase de range. Le bot il va l'éviter, d'accord, c'est très important. Il évite, et il attend. Boum, nouvelle opportunité. Et là, le stop suiveur se met en place. Et tant qu'il y a de la musique, on danse encore une fois. Voilà, on danse sur différents styles de musique. On continue de danser, on n'est pas fatigué. On continue encore la danse continue et là, boum, le trade s'est arrêté. Donc là, on a eu une superbe vague ici. Vous voyez, on a démarré ici là. C'était le 18 août, d'accord? Et le trade a duré. Vous voyez que le trade, il continue plusieurs jours, d'accord? Tant qu'il y a de la musique, on danse. Regardez cette belle vague. Le trade a chopé pratiquement toute la vague et s'est arrêté juste ici. Vous voyez que le bot, il s'est arrêté juste ici le 23 août. Donc, imaginez que vous étiez parti en vacances durant cette période. D'accord? Donc du 18 août au 23, admettons que vous étiez parti en Espagne ou je ne sais où, et bien le bot vous aurait fait gagner encore une fois de l'argent sans absolument rien faire. Et là, on arrive à 13 445 euros. Et on va continuer. Voilà. Donc on continue. Encore une fois, les phases où il n'y a pas trop d'activité, le bot il va éviter. Là, on a pris un trade perdant, c'est comme ça. On ne peut pas avoir que des trades gagnants. On continue encore, c'est un peu flou au niveau du graphique, donc le bot ne trade pas. On attend. Donc du coup, vous pouvez avoir des journées sans trade, d'accord? Parce que le bot veut vraiment optimiser ses prises de position. Donc il se peut qu'il y ait des journées sans trade. Et quand vous n'avez pas de trade, ne vous plaignez pas. Là, vous voyez que encore une fois, le bot il continue sa petite danse. Donc là, il a pris un trade juste ici, en position longue, du coup le 29 août, et il s'est stoppé juste ici, d'accord? Voilà, le 30 août, donc le lendemain. Ok, c'était pas un superbe trade, mais c'est toujours quelques euros de prix, d'accord? Et là, on va continuer encore, donc voilà, donc toute cette phase-là, on évite. Je fais une petite pause et là, si on regarde du coup les horaires, vous voyez que ce sont les horaires de nuit là. Toute la phase où le bot évite de trader, ce sont des horaires de nuit. Et je l'ai déjà précisé dans plusieurs vidéos, la session de nuit, en général c'est la session asiatique, il y a beaucoup moins de volatilité puisque les Européens et les Américains sont en train de dormir.
Il n'y a que les Asiatiques qui tradent. Du coup, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et là, vous voyez que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est vraiment pas top. Ok? Donc là, on va continuer. Ah, donc là, il a ouvert un nouveau trade. Boum, vous voyez le stop suiveur. Voilà. Je fais une petite pause. Voilà. Donc là, il a ouvert le trade par ici. Et il s'est stoppé par ici. Vous voyez, quand ça a commencé à se retourner, eh ben, le bot a arrêté, tout simplement. On continue. Voilà, on laisse encore. Vous voyez, encore une fois, on évite tout ce qui est range, peu de volatilité, on évite. Et là, boum, un nouveau trade. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, on continue, ça descend. Voilà, là, le trade s'est stoppé. Ça fait un peu de profit. Et voilà, donc là, le backtest est terminé puisque nous sommes arrivés au 8 septembre. Et du coup, en termes de résultats, on a fait globalement un gain. Enfin, on est arrivé à 13 446 euros. On est parti du coup, le solde était de 10 000 euros au départ. Et nous sommes arrivés à 13 436 euros avec des trades de 1 lot. Évidemment, si vous tradez avec moins, par exemple 0,10 lots, vous allez gagner moins. Mais avec les trades de 1 lot, ben, vous êtes arrivé à 13 446 euros, donc 3 446 euros de gains sans absolument rien faire. Alors, si je refais le même test, voilà, je vais retirer le mode visuel. Si je refais le même test en changeant les horaires, par exemple, je mets ici, je mets 23h55 et là, je mets minuit 10, par exemple. Pour ceux qui veulent trader H24 sur le Forex, je lance le backtest. Voilà. Et là, là j'ai quand même des gains. Vous voyez, je suis à 10 934 euros. Mais ça me fait beaucoup moins de gains que quand je trade que de 9h à 16h. Vous avez bien vu. Évidemment, on reste en profit. Mais ça fait quand même presque 3 fois moins de profit ici que quand on trade de 9h à 16h. Donc encore une fois, je vous conseille vivement de ne pas toucher aux horaires. 9h-16h, c'est très bien quand on fait du Forex. Si vous tradez les crypto-monnaies, c'est différent. Vous pouvez trader H24. Si je refais du coup le même backtest avec des petites positions, donc des trades de 0,10. Voilà, 0,10. Hop, ça nous fait un résultat de 93 euros. Ah oui, il faut que je remette les horaires comme il se doit. Donc 9h45, 16h15. Et là, vous voyez que ici, j'ai rajouté les valeurs initiales. Ici, pour vous rappeler quelles sont ces valeurs initiales. Puisque j'ai eu des retours avec des personnes qui ont changé certains paramètres et qui ont oublié quels étaient les paramètres de base. Donc c'est pour ça que maintenant, dans la nouvelle version, vous avez les valeurs initiales pour vous rappeler la configuration de base du bot. Alors là, du coup, on obtient des résultats donc de 343 euros. Donc avec des mises de 0,10 lots, ben, vous auriez obtenu en un mois 343 euros de profit sans absolument rien faire. Pas besoin de connaissances techniques en trading, pas besoin de payer une formation à 2000 euros. Vous avez juste qu'à appliquer le robot de trading en gardant les paramètres de base, s'il vous plaît. C'est important sur Euro-USD. Si vous tradez d'autres actifs, vous pouvez changer les paramètres, notamment le nombre de pips. Par exemple, sur le gold, ben 25 pips, ça ne sera pas du tout suffisant. Mais ça ne sera pas du tout suffisant. Mais si vous voulez pas vous embêter, Euro-USD, c'est très très bien. Ok? Donc, si je fais le backtest, par exemple, depuis ben, le début du mois, je crois que ça fait très peu. Mais bon, si je fais quand même le backtest pour voir ce que ça nous aurait donné. Là, on voit que ça aura ouvert un trade. Boum. Donc là, le trade s'est coupé par ici. Là, ça continue. Ça continue encore. Comme je vous l'ai dit, tant qu'il n'y a pas d'opportunité optimale, le bot ne va pas ouvrir de position. Ici, par exemple, on voit une belle phase de range. Le bot a évité. Là, il vient d'ouvrir un trade. Là, il continue. On voit le stop suiveur en rouge là qui suit. Ok, il a coupé le trade ici. Et voilà, donc là, on s'est arrêté par ici avec un gain de
46 euros, évidemment, avec un gain de 46 euros. Voilà, évidemment, si vous auriez mis un lot, ben, vous aurez eu 460 euros de profit. OK? Si je fais le backtest depuis le début de l'année, donc janvier, le 3 janvier, je retire le mode visuel pour aller plus vite. Vous auriez eu un profit de 451 euros avec encore une fois des mises de 0,10 lots. Bien entendu, moi je vous conseille petit à petit d'augmenter les mises en fonction, en fonction de votre capital. Quand votre capital grossit, vous augmentez les mises. Gardez en tête que même si le robot vous fait gagner globalement de l'argent, respectez un bon money management. Ne prenez jamais de risque. On ne sait jamais ce qui peut se passer sur les marchés. Ce n'est pas du casino, c'est de l'investissement. Donc faites-le en bon père de famille. Ne misez jamais des sommes que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et surtout, par rapport à votre capital global, misez toujours une somme qui est, si possible, inférieure à 5% de votre capital global pour éviter tout problème. Pour éviter tout problème. D'accord? Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Je voulais vraiment vous montrer les gains que vous auriez pu obtenir si vous aviez utilisé ce bot depuis le début du mois dernier, donc de septembre à aujourd'hui. Et je ferai d'autres vidéos comme ça pour vous montrer les gains obtenus mois après mois. Je vous invite également à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage des astuces, des conseils, ainsi que les résultats obtenus par nos clients avec le robot. Si vous souhaitez obtenir notre robot de trading, vous avez le lien en description de cette vidéo. Vous pouvez également me contacter directement sur Telegram. Vous avez mon contact ici. Je suis joignable en tout temps, donc n'hésitez pas à me contacter, à me poser les questions que vous voulez. Je suis là pour vous répondre. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash si vous avez déjà notre robot. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.